personnellement été dès le début marqué par l'aviation parce que à l'âge de 5 ans j'ai vu un avion se poser et même faire une petite cabriole. C'était des plaines, des champs qui étaient aménagés en terrain d'aviation, mais il n'y avait pas de piste. À cette époque-là, il faut imaginer qu'il n'y avait ni GPS, ni réseau radio de communication permettant de retrouver un avion perdu. C'était des avions qui avaient au niveau performance des limites. Hein, beaucoup de... C'était pas des avions faits pour ça. Le navigateur à cette époque-là, c'était naviguer aux étoiles, hein, c'était avec des instruments très très sommaires. Il fallait quelquefois voler à 100 mètres d'altitude, au ras des flots ou au ras des montagnes, quelquefois monter plus haut. Donc si vous voulez, ça tenait beaucoup aussi de la technicité des pilotes qui organisaient ce genre de raid. Il y a eu quelques crashs aériens malheureux qui sont liés justement peut-être à une certaine imprudence de pilotes qui sont entrés dans les nuages et qui du coup se sont ainsi perdus. Il y a eu énormément de pilotes perdus, de pilotes blessés, gravement blessés dans ces années-là. C'est que beaucoup s'aventuraient dans l'aventure de l'aviation, dans l'aviation sans avoir justement ces qualités, cette habileté et ce sens de l'air. La météo n'était pas prévue, on allait dans l'imprévu. On partait pas de zéro, mais presque. Alors il a fallu tout faire. L'avion était une découverte pour la Calédonie entière. L'histoire de l'aviation en Nouvelle-Calédonie est peu connue. Et pourtant, elle est passionnante parce que la Nouvelle-Calédonie, le fait qu'elle soit située sur l'océan le plus vaste, l'océan Pacifique, au sein d'un archipel, et puis aussi, on le sait moins, aux côtés de l'Australie qui est une nation vraiment de pionniers en matière d'aviation. Tout ça fait qu'on se passionne rapidement pour le sujet. L'aviation se développait un peu partout, y compris en France métropole, n'est-ce pas? C'est là que les usines françaises ont commencé à produire du matériel formidable. Mais pour nous, n'est-ce pas, c'était effectivement le début de l'aviation. Bonsoir à tous. L'histoire de l'aviation en Nouvelle-Calédonie est encore peu connue et pourtant, elle est riche et passionnante. Les tout premiers avions à survoler le ciel calédonien furent dans les années 20. C'était des hydravions militaires embarqués sur des navires de guerre. Imaginez à l'époque la joie et l'étonnement des Calédoniens qui, pour la plupart, n'avaient encore jamais vu d'avion de leur vie. Ce n'est que par la suite, durant les années 30, que les premiers aviateurs du Caillou entreprirent de voler de leurs propres ailes et partirent ainsi à la conquête du ciel. Parmi eux, un certain Victor Ruffey, jeune aventurier au profil de casse-cou venu d'Australie qui participa à ouvrir le chemin vers les cieux calédoniens. C'est cette histoire pleine de passion et de tracas que je vous propose de découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro de Sur les traces du passé. J'étais d'une génération qui était quand même un petit peu plus éloignée, mais par mes parents, oui, on parlait de Ruffey, n'est-ce pas? Victor Ruffey était un jeune Australien, il avait 21 ans en 1931, il venait du Queensland, il était un passionné d'aviation, et il était venu en Nouvelle-Calédonie avec un avion, un De Havilland Gypsy Moth, qui était arrivé par bateau. Quand il va faire ses premiers vols en Calédonie, ça sera à partir de la plage de Magenta, à marée basse, évidemment. Tout le monde sait ici qu'elle découvre largement, hein, qu'on voit le sable sur suffisamment de distance face au vent pour pouvoir décoller et atterrir. Ou alors à partir de plaine, la plaine qu'on appelait la plaine Inguerre, à Magenta, et qui en gros correspond à l'emplacement actuel des tours de Magenta, ou alors la plaine de Rouvray entre la baie des Citrons et l'Ansvata. Moi, je me souviens, mon père était médecin à la fois, en 1931, lorsque Ruffey se posait sur l'hippodrome de la Foix. Et pour se poser sur l'hippodrome, il passait à la verticale de la maison de mon père. Et je me souviens très bien, étant gosse, j'avais 4 ans à l'époque, voir cet avion passer au-dessus de la maison de mon père. Et comme c'était des avions qui ne volaient pas vite à l'époque, quand il y avait un fort vent, l'avion donnait l'impression de faire du surplace au-dessus de la maison de mon père.
pendant presque toute l'année 1931. Il a continué à voler autour de Nouméa en faisant des baptêmes de l'air, en faisant des démonstrations aériennes, des meetings. Et puis, il a même fait un vol en direction des îles Loyauté, vers Lifou, et puis vers les centres de brousse, vers Wailou, vers Bouraï, vers Douma. Il se posait partout où il y avait 200-300 mètres de gazon, quoi. Voilà, c'était des plaines, des champs qui étaient aménagés en terrain d'aviation. Mais il n'y avait pas de piste. C'est pour vous dire quand même que c'était une époque héroïque. Ne serait-ce que son dernier vol en Calédonie, n'est-ce pas? Il a fait Waco-Brisbane, enfin à côté de Brisbane, avec un monomoteur de l'époque. C'était absolument remarquable. C'est que Victor Roffé, il a ensuite décidé de rentrer non pas en bateau, en démontant son avion, mais par ses propres moyens. Ça a été un projet absolument jugé comme fou. Et beaucoup de gens ont essayé de le dissuader, aussi bien en Nouvelle-Calédonie que sa famille en Australie. Mais lui, il a décidé de rentrer par ses propres moyens. Alors, il a évidemment préparé son avion en y installant un réservoir supplémentaire, de manière à ce qu'il puisse durer en vol à peu près pendant 15 heures. Alors, pour se rapprocher le plus possible de l'Australie et gagner presque 2 heures de vol sur le trajet, c'était toujours ça de prix, eh bien, il n'est pas parti de Nouméa, mais de Waco. Et c'est lui qui a donc réalisé la première liaison aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et l'extérieur, en l'occurrence l'Australie, la région au nord de Brisbane. Quelques temps après, Maurice Roland avait, c'était un Calédonien cette fois-ci, qui avait acquis un avion en Australie, qui était un ami de Roffé. Il l'avait baptisé la Roussette, d'ailleurs, son avion. Et il a, pendant à peu près 2 mois, fait voler sa Roussette en Nouvelle-Calédonie, mais pas plus de 2 mois, parce qu'il a été endommagé au décollage de Kumak en allant vers Niaouli. Et donc, ça a été la fin de la Roussette pour Maurice Roland, qui lui-même n'a pas été blessé. Trois avions qui ont été importés, qui n'ont pas eu malheureusement une longue vie, peut-être à cause des petits atterrissages ou peut-être du manque d'expérience des pilotes de l'époque. C'est dommage, mais c'est le premier avion calédonien qui n'a duré que 2 mois. Mais c'était vraiment les débuts des débuts, quoi. Donc ici, sur cette plaine, qui était une plaine assez boisée, puisqu'il y avait quelques niaoulis au milieu de la plaine, s'est posé le Biarritz, un Cousinet 33, qui est le premier raid à avoir été effectué entre Paris et Nouméa. L'année qui a suivi le premier vol de Roffé, ça a été alors une autre aventure aéronautique vraiment formidable. Ça a été la première liaison entre Paris et la Nouvelle-Calédonie. Donc à bord de cet avion, il y avait le propriétaire de l'avion, Charles de Verneuil, qui avait connu Max Dévé sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale. Ils étaient tous les deux aviateurs dès la Première Guerre mondiale. Ils s'étaient rencontrés là et ils ont associé Emil Munch, qui est un mécanicien spécialiste des avions Cousinet. Ils sont partis depuis l'aéroport du Bourget et ils ont pris la route des Indes. Et ils ont volé effectivement 17 jours. Évidemment, le trajet lui-même a pris au total 2 mois parce qu'ils se sont souvent arrêtés, mais avec 17 jours de vol effectif pour, on va dire, comme c'était en zigzag, c'était pas en ligne droite, ça a représenté en gros un peu plus de 20 000 km de trajet. Ça a été une curiosité. Nous, on habitait Moindou, donc on est descendu avec la voiture sur Tantouta. Il y avait à l'époque un bac sur la rivière Tantouta, il n'y avait pas de pont. Et bon, beaucoup de gens comme nous de Brousse ont fait la même chose. Les Calédoniens, les Nouméens étaient venus de Nouméa ou des environs en voiture, à cheval et même à pied des tribus environnantes
de manière à voir cet oiseau du ciel qui arrivait de Paris. Il y avait quand même beaucoup de monde, mais disons que c'était vraiment quelque chose de très, très nouveau, l'aviation. Donc, on venait par curiosité beaucoup plus que par intérêt personnel, si vous voulez. Quoi. Ils avaient décidé, les autorités locales, sous l'autorité du gouverneur, de faire aménager à la Tontouta, au 53e kilomètre, un champ d'aviation. C'était, disons, la plaine la plus proche de Nouméa à l'époque. C'est qu'il lui a valu de s'en servir comme aérodrome. Donc pour cela, les Niaoulis ont été abattus. On a fait en sorte qu'il y ait le plus possible de souches retirées de terre de manière à ce que ça n'endommage pas l'avion au moment où il se serait posé. Manque de peau, les Niaoulis n'étaient pas loin. Il y a une aile qui a touché et il a fait une belle cabriole. Un atterrissage qualifié de peu digne par son équipage, par Max Dévé, le navigateur, qui était un des premiers, donc le premier officier navigant de l'armée de l'air à venir en Nouvelle-Calédonie. J'étais dans les bras de ma mère, donc je voyais au-dessus de la foule, si vous voulez, voyez. Et j'ai très bien vu cet avion faire ce qu'on appelle en aviation un pylône. Il s'est mis sur le nez et il est retombé. Ce qui fait qu'il a été endommagé à l'atterrissage. Et ça n'a pas empêché, bien sûr, Charles de Verneuil et puis ses deux amis de sortir de l'avion, tout heureux, tout joyeux, et puis d'être accueillis avec une Marseillaise et beaucoup d'enthousiasme. C'était un événement à l'époque. Hein. C'est, je ne sais pas si vous le savez, mais je crois que les rues de Nouméa ont été éclairées le jour même de l'arrivée de Verneuil. On a fait coïncider les deux événements. Le 5 avril 1932, le Biarritz s'est posé sur, on va dire, le champ d'aviation, on peut pas encore pour dire l'aérodrome, mais le champ d'aviation du 53e, c'est-à-dire de Tontouta, là où est actuellement d'ailleurs construit l'aérodrome de Tontouta. Mais on le disait le 53e, parce que c'était le 53e kilomètre. Et après, ce site a été donc, depuis ce temps-là, retenu comme un site favorable pour l'atterrissage des premiers avions, pour son emplacement, à l'abri relativement du vent, et surtout l'espace dont on dispose ici est assez important. Un autre exploit est à mettre au compte cette fois-ci alors d'un grand monsieur de l'aviation Nouvelle-Calédonie qui avait été surnommé le pharmacien volant parce qu'il était pharmacien de son métier mais pilote. Eh bien, c'était Henri Martinet. Il est arrivé dans les années 30, hein, il n'était pas d'origine calédonienne. Il a épousé une calédonienne. Mais dans les années 30, il arrivait comme pharmacien. Il arrivait du Maroc. Et il avait une pharmacie au centre-ville, n'est-ce pas? Martinet était connu, d'autant plus qu'il volait en avion et cela nous intéressait, les jeunes. Il a appris à piloter ici. Peut-être avec M. Roland ou M. Constant. J'avais un oncle, Gaston Constant, qui a été le premier pilote militaire calédonien, qui volait avec lui. Parce qu'il faut quand même aussi dire les choses comme elles étaient, c'est que Martinet, à l'époque, n'avait pas son brevet de pilote. Il l'a passé quelques années plus tard. Sinon, l'avion de Martinet était un avion qui avait été livré par bateau en Nouvelle-Calédonie. Henri Martinet, lui, il a décidé de faire la liaison entre la Nouvelle-Calédonie et Paris, cette fois-ci. Et il s'est lancé dans cette aventure du premier vol de Nouméa sur la France pour, si vous voulez, en fait de réponse au vol qu'avait fait de Verneuil avec le Biarritz. C'est encore, je vais presque dire, plus un exploit que le vol de Charles de Verneuil, 8 ans auparavant. Parce que cette fois-ci, il n'y avait qu'un seul moteur sur son avion. Voilà, tandis que l'avion de Charles de Verneuil, c'était un trimoteur, donc il y avait quand même plus de sécurité. Le Renault Caudron L'Aiglon, hein, qui était immatriculé Anzo, Fox Anzo, et qu'on trouve sur beaucoup d'illustrations et qui est assez connu des Calédoniens. Donc c'était un monomoteur, hein, et c'était un biplace, qui n'était pas du tout fait pour faire des raids aussi longs. Depuis Nouméa, en passant par l'Australie où il avait 5 escales, puis ensuite la route des Indes,
on imagine facilement, parce qu'ils étaient à l'époque les ânes néerlandaises, puis vers la Birmanie, ce qui s'appelait pas encore le Pakistan, mais enfin ça correspond à notre Pakistan, à l'Inde d'aujourd'hui, à l'Irak, à la Syrie, à l'Égypte, et puis finalement une arrivée au Bourget. C'était un exploit et il est passé tout près de la catastrophe à plusieurs reprises. Hein. Il a réalisé ce vol en 148 heures de vol effectif, avec là aussi une vingtaine d'escales. Un raid extraordinaire avec beaucoup de péripéties en Australie, à Bali, où ils ont failli périr à plusieurs moments. À cette époque-là, il faut imaginer qu'il n'y avait ni GPS, ni réseau radio de communication permettant de retrouver un avion perdu. Pour avoir fréquenté Martinet à cette époque-là et pour l'avoir aidé à préparer son deuxième vol sur la France, je peux vous dire qu'Henri Martinet, sous ses airs de casse-cou, ne laissait rien au hasard. Il préparait tout dans les moindres détails. Non seulement il avait des idées formidables, mais il avait appliqué certaines de ses idées, et à ses frais. Hein. Il faisait figure d'aventurier. C'est pour ça qu'on lui a attribué le qualificatif de casse-cou. Mais ce n'était pas un casse-cou, c'était un aventurier, certes, mais qui ne laissait rien au hasard. Il n'était pas seul à bord, Henri Martinet, pour réaliser ce raid. Il avait pris, à partir de Sydney, il avait pris un de ses amis, qui s'appelait Paul Klein. Un aviateur donc calédonien qui s'est engagé non seulement à effectuer le raid avec Henri Martinet en 1939 du Nouméa Paris, mais a également s'est engagé parmi les premiers dans la Deuxième Guerre mondiale, d'abord comme pilote en Syrie, puis rapidement dans les SAS britanniques, où il a effectué plusieurs missions de guerre sur le front de l'Afrique du Nord, avant d'être fait prisonnier par les Allemands et d'être prisonnier dans la prison de Colditz jusqu'à la fin du conflit. Et dont la base aérienne de Tantouta, la BA-186, porte aujourd'hui le nom. C'est la base, la BA Paul Klein, 186 Paul Klein. Ces deux héros, d'ailleurs, Paul Klein et Martinet, sont célébrés. Paul Klein par son nom donné à la base, et puis Henri Martinet par l'aéroclub calédonien qui porte son nom. Il faut dire qu'il en avait été le fondateur. Et puis la rue Henri Martinet qui borde la piste de l'aérodrome de Magenta. C'était un précurseur, en tout cas, pour la Nouvelle-Calédonie. Mais l'aviation se développait un peu partout, y compris en France métropole, n'est-ce pas? C'est là que les usines françaises ont commencé à produire du matériel formidable. Mais pour nous, n'est-ce pas, c'était effectivement le début de l'aviation. Il n'y avait pas de pilotage automatique. Les appareils étaient quand même très différents. L'évolution dans les années 30 était vraiment très rapide. Quand ils recevaient un nouvel appareil, quand ils achetaient un nouvel appareil, il n'y avait évidemment pas de simulateur. Ah bien, c'est sûr que c'était des avions qui avaient, au niveau performance, des limites. Hein, beaucoup de... Ce n'étaient pas des avions faits pour ça. Et donc, si vous voulez, il fallait mettre des réservoirs supplémentaires, il fallait prévoir le réglage des moteurs d'une manière très, très, très fine. Il fallait aussi être très bon pilote, parce qu'il n'y avait pas d'horizon artificiel. Ils n'avaient pas les canots de sauvetage, les lots de survie qu'on peut imaginer aujourd'hui. Quand ils se posaient dans un endroit désertique, il y avait peu de chances de survie. Donc, Vous savez, quand on fait un vol entre Kumak et l'Australie, où on vole pendant des heures au-dessus de l'eau, tout seul, avec, si vous voulez, le besoin quand même, les besoins vitaux, boire, manger et faire ses besoins, eh bien, je peux vous dire que ça demande une sacrée préparation. Hein. On se constipe 4 ou 5 jours à l'avance, on fait en sorte de ne pas avoir trop envie de faire pipi, et ça demande beaucoup, beaucoup de préparation sérieuse. Et il y a eu énormément de pilotes perdus, de pilotes blessés, gravement blessés dans ces années-là. C'est que beaucoup s'aventuraient dans l'aventure de l'aviation, sans avoir justement ces qualités, cette habileté, ce sens de l'air. La météo n'était pas prévue. On allait dans
dans l'imprévu total au niveau météo. Il fallait quelquefois voler à 100 mètres d'altitude, au ras des flots ou au ras des montagnes, quelquefois monter plus haut. Ça tenait beaucoup aussi de la technicité des pilotes qui organisaient ce genre de raid. Et quand on parle de l'expression « piloter aux fesses », aujourd'hui, à l'époque, c'était vraiment piloter. Il fallait sentir son avion pour comprendre comment il fonctionnait. C'est à partir de 1937 que des dessertes régulières du territoire furent envisagées. D'un côté se positionna le gouvernement français qui demanda à la compagnie Air France de travailler sur le projet et de l'autre prirent place les Américains avec une compagnie créée en 1930, le Pan American Airways. Concernant Air France, l'inauguration d'une ligne entre Paris et Nouméa fut planifiée pour 1942, mais la guerre mit le projet en suspens. Finalement, ce sont les Américains de la Pan Air qui ont, pour la première fois, en 1940, accompli une première liaison commerciale sur une ligne qui allait depuis San Francisco, sur la côte ouest des États-Unis, jusqu'à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et Nouméa était une escale. Avant la guerre, ça s'appelait, la Pan American s'appelait la Pan Air, Pan Airways. Je peux vous dire que son slogan, c'était « The first airline in the world », la première compagnie aérienne du monde. Alors, c'était desservi en hydravion, un hydravion quadrimoteur, le Boeing 314, qui était appelé un clipper, du nom des anciens voiliers, un avion très confortable qui pouvait accueillir jusqu'à 34 passagers, avec des sièges ultra confortables, des couchettes, etc. Donc, c'était un luxe, mais en même temps un grand confort que de voyager à cette époque. La rade de Nouville se prêtait très bien à leur exploitation parce qu'elle était bien située dans le vent, aussi bien à l'atterrissage qu'au décollage. Et la Pan Am avait aménagé à Nouville ce qu'on appelle une hydrobase, c'est-à-dire un centre d'accueil pour cet avion, avec, on va dire, un hall d'accueil assez sommaire pour les passagers, avec un atelier d'entretien, avec des réserves de carburant pour refaire les pleins. Juste avant d'entrer au collège, je suis venu à l'hôpital pour une rougeole, quelque chose comme ça. Oui, c'est une rougeole. Et j'ai aperçu un hydravion de la Pan Am qui se posait dans le port, du haut de la barrière du centre hospitalier où hier on avait vu sur la rade de Nouville et on voyait très bien atterrir et décoller les hydravions de la Pan Am. Comme cette hydrobase de la Pan Air se trouvait en gros là où il y a aujourd'hui l'université ou le restaurant 1881, il fallait amener les passagers au centre-ville de Nouméa. La particularité de l'époque, c'est que les avions ne voyageaient pas de nuit, ce qui fait que il passait la nuit à l'ancre à Nouville. Donc il y avait une vedette, un bateau de la Pan Air, qui faisait le trajet entre l'hydrobase de Nouville et puis ce que l'on appelait à l'époque la flottille, et qui est en gros l'emplacement de l'actuel Bingo, en face de l'actuel Bingo. Parce qu'en ce temps-là, l'île Nou était encore vraiment une île. Il n'y avait pas encore ni la digue, ni le pont, comme aujourd'hui, qui relie le centre-ville à Nouville. Donc il y avait encore ce petit trajet en bateau à faire. Voilà, inauguration par la Pan Am, donc c'est le début de l'aviation commerciale. Mais là encore, la guerre va mettre fin à cette activité de la Pan Am. Mais pour beaucoup de Calédoniens, Pan Air, ça reste tout de même la compagnie qui est la première à assurer cette desserte commerciale du pays. Et ceux qui ont eu l'occasion, il y en a plus beaucoup de vivants aujourd'hui, mais ceux qui ont eu l'occasion de voler sur Pan Am, ils en gardent un souvenir absolument émerveillé. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre premier numéro consacré au tout début de l'aviation en Nouvelle-Calédonie. Dans notre second volet, nous nous intéresserons notamment à la période de la Seconde Guerre mondiale et nous vous raconterons comment la présence américaine a fortement marqué le développement de l'aviation en Nouvelle-Calédonie. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez consulter les ouvrages suivants qui nous ont aidés à réaliser ce magazine. 1932-2012, De ses propres ailes, un livre de Jean-Marc Estounès. De la Transpac à Air Calédonie, 60 ans dans le ciel calédonien, un ouvrage d'Elisabeth Opla et de Myriam Grandclé.
aux éditions Montamoun Éditions. Et pour finir, vous pouvez déjà noter que l'ouvrage d'Antoine Sadou, intitulé « Aventure aérienne », devrait sortir au mois de novembre aux éditions de l'association de la base aérienne 186. Merci de nous avoir suivis et bonsoir à tous.